Allez, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Je vous avais promis que s'il n'y avait pas de gros chamboulements sur la communauté AMG et les annonces d'AMG, on allait voir un petit peu d'Armada. Et ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous parler des renforts rapides que propose AMG. Donc il faut savoir que moi, c'est une proposition que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est quelque chose qui garde, enfin qui tient sous perfusion le jeu Star Wars Armada, parce que faute de sortie, on a quand même tout un ensemble de cartes qui sont mises à jour, voire totalement créées pour le jeu, et des propositions également de transfert de vaisseaux d'une faction à une autre, et puis en plus c'est des transferts de factions qui sont pertinents, donc ça permet comme ça de maintenir le jeu en vie. Et puis ben, on peut imaginer que si AMG veut comme ça maintenir ce jeu à l'équilibre, c'est sans doute parce qu'un jour, peut-être, on aura enfin de nouvelles sorties physiques. Quoi qu'il en soit, faites attention, le jeu a été pas mal erraté, pas mal corrigé et enrichi. Donc si vous voulez vous remettre à Star Wars Armada, n'hésitez pas à aller sur le site d'AMG pour récupérer toutes les informations à jour. J'espère que moi j'y suis pour cette présentation. Et puis à rejoindre les groupes Discord qui sont disponibles, vous pouvez m'envoyer un MP pour les connaître et je vous réorienterai. Sinon, il y a toujours le fameux forum actif dont je parle historiquement. Allez, on va regarder donc ces renforts. C'est le deuxième, je crois, c'est le deuxième renfort. On commence par celui-ci, c'est le plus récent. Et puis on va commencer avec la carte du général Draven, une carte qui est pour la rébellion, qui va coûter 28. On peut y lire que à la fin de chaque phase de commandement, vous allez pouvoir regarder tous les disques d'ordre en fait d'un vaisseau ennemi. Donc déjà ça, c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Si vous le faites, vous pouvez placer deux tokens de commandement de type différent sur la carte du général. Et après qu'un vaisseau ennemi ait résolu un ordre, vous pouvez défausser un jeton d'ordre de votre carte. Et si vous le faites, en fait, le vaisseau ennemi va gagner un token de raid qui correspond. Donc le raid, ça va beaucoup l'embêter sur cet ordre-là, hein. Il va avoir du mal à le jouer, à l'exécuter. Il y a plusieurs effets dans cette carte qui sont assez intéressants. Le premier, c'est déjà au moins de pouvoir regarder les disques d'ordre, tous les disques d'ordre du vaisseau. Si vous attaquez un gros vaisseau, vous allez pouvoir voir comme ça assez loin dans la partie, hein. Je rappelle qu'on doit normalement préparer ses ordres en avance de phase, et plus le vaisseau est grand, plus le nombre de dial en fait d'ordre qui est dessus sont importants, et donc vous permettent de vous projeter comme ça sur ce que va faire le vaisseau au cours de la partie. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'assez embêtant. En fonction de ça, vous allez avoir une lecture en fait des ordres qui seront joués par ce vaisseau. Et à moins qu'il ait des cartes spéciales, il y a des cartes de Leia par exemple qui permettent de changer les ordres en cours d'action. Au moment où on les relève, on peut en choisir d'autres, mais voilà, c'est quand même assez rare ce genre de carte. Il va devoir s'y tenir, vous allez les connaître et vous allez pouvoir du coup capitaliser des tokens qui correspondent. Des tokens qui correspondent et qui vont vous permettre de déclencher ensuite des tokens de raid sur le vaisseau au moment où il va vouloir jouer ces ordres là. Donc voilà, alors c'est une carte à 28 points pour les rebelles. Moi ça me paraît assez pertinent, ça fait un peu série d'espionnage, je trouve que c'est vraiment sympa. On emboîte le pas sur la Gouverneur Price, une des cartes les plus what the fuck que j'ai vu dans ce renforcement. Elle ne coûte que 7 et moi je la trouve très très forte. Une fois par activation, tant que vous résolvez une attaque contre un vaisseau ennemi, vous pouvez dépenser un bouclier de la zone de la coque qui attaque et changer la face d'un dé par la face de votre choix. J'adore ce genre de carte. Là en l'occurrence, ça correspond bien au caractère de Price. Vous allez donc vous
vous blessez entre guillemets vous-même puisque vous vous retirez un bouclier depuis la coque qui attaque. Donc c'est à vous hein, de décider de le faire ou pas. Moi ce que j'aime bien dans cette carte là c'est que c'est vous qui gérez en fait votre trip comme vous en avez envie, si vous avez envie de le faire et puis que vous êtes en capacité d'amortir cette perte de bouclier, ben allons-y. Et je trouve en fait que la récompense est énorme parce que il s'agit pas de relancer un dé, il s'agit de le tourner sur la face comme on veut. Donc ben, par exemple, pour peu que vous ayez un dé noir, ben, vous allez pouvoir aller chercher deux touches, ce qui peut être assez embêtant pour le vaisseau d'en face. S'il n'a pas de quoi au niveau token répondre, il va perdre deux boucliers ou il va commencer à se voir entamer sa coque. Donc ça fait vraiment beaucoup. Si vous êtes sur des bleus normal, notamment, vous allez pouvoir aller chercher de la visée. Et donc directement avoir la certitude d'amputer le vaisseau que vous attaquez de l'éventuel peut-être dernier token qu'il aurait dans une phase de jeu où ça devient critique. Donc voilà, alors si ça devient critique pour lui, si c'est une phase tardive du jeu, ça peut être une phase c'est normalement une phase tardive pour vous aussi. Ce qui sous-entend que vous n'aurez peut-être pas de bouclier à consommer à ce moment-là, ou que ce sera vos derniers, donc faut faire attention à ce que vous faites. Mais pour moi, si c'est bien géré, si c'est posé sur un vaisseau qui est resté en stand-by et puis qui a pas trop souffert de ce côté-là ou qui a su se réparer et se régénérer du bouclier, je trouve que c'est une super carte. Franchement, pour 7 points, c'est vraiment pas grand-chose. On va voir le Anakin Skywalker. Donc là, je crois que cette carte a été intégralement réécrite entre la 2.0 et la 2.1. Tant qu'un vaisseau allié attaque un vaisseau et que le vaisseau est à distance 1.5 d'au moins deux autres vaisseaux alliés, un autre vaisseau allié à distance 1.5 du défenseur peut dépenser un token de défense. S'il le fait, l'attaquant peut relancer jusqu'à 3D. Alors ça fait un peu mal à la tête cette histoire, mais il n'y a rien de vraiment sorcier derrière ça. D'autant plus que quand on joue République, c'est vrai qu'on a quand même tendance, peut-être pas à concentrer les vaisseaux, mais à rester groupir. À avoir en fait une structure de déploiement qui est bien hiérarchisée et qui est bien répartie sur la table. Et donc cette situation de distance à 1.5 à la fois des vaisseaux du défenseur, c'est assez facile à maintenir, je pense. Et du coup, relancer 3D, ça par contre c'est ultra dégueulasse. C'est tant qu'un vaisseau allié attaque un vaisseau. Donc en fait cette carte là, elle va avoir une récurrence extrêmement forte. Dans la partie, elle va avoir une récurrence extrêmement forte dans le tour. C'est-à-dire que chaque vaisseau va être la résonance de lui-même dans le fait que ben moi je suis à 1.5, donc je permets, à partir du moment où vous en avez deux, hein, chaque vaisseau qui est à 1.5 va permettre à cette carte d'être capitalisée, d'être jouée. Et donc en fait cette relance de 3D, elle va arriver vraiment de façon extrêmement lourde. Et ça va fiabiliser en fait l'intégralité de la flotte qui sera administrée par Anakin Skywalker. Donc je trouve que 31 points, franchement, c'est vraiment pas cher payé. On va regarder la carte d'Assage Ventress. Assage Ventress, durant l'activation d'un vaisseau allié à distance 1.5 de vous, vous pouvez épuiser cette carte pour défausser un token de raid d'un vaisseau ennemi à 1.5 de vous. Si vous le faites, le vaisseau allié peut gagner un token de commandement de n'importe quel type. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça d'aller retirer les tokens de raid d'un vaisseau ennemi pour récupérer n'importe quel type de token de commandement. Ça offre pas mal de maniabilité. On l'a vu tout à l'heure avec le général qui vient vous poser des raids sur la gueule là vous allez pouvoir en fait aller enlever les raids chez l'ennemi pour pouvoir vous en fait choisir un autre type d'ordre et du coup
peut-être être libéré de des éventuelles raids que vous auriez vous-même sur votre vaisseau, ou pouvoir réhabiliter, enfin changer vos ordres à vous, et vous dire bon bah c'était pas pertinent de faire ceci, il vaut mieux que je fasse cela, et je vais aller retirer des tokens de raid chez l'ennemi. Sur la carte, si vous regardez bien, on voit en ombre chinoise au premier plan le compte de coups. C'est pas anodin. La carte du compte de coups, c'est une carte qui balance énormément de tokens de raid, justement. Donc en fait, c'est un complément de SH23 qui peut comme ça s'appuyer si elle est jouée avec avec un compte de coups qui va poser énormément de tokens de raid chez l'adversaire, d'aller ensuite, si ces tokens de raid ne sont pas pertinents, aller les récupérer pour pouvoir s'offrir la possibilité de modifier ses propres tokens de commandement. Donc il y a une très très belle synergie, ça vaut 4, c'est-à-dire quasiment pas grand chose. Je trouve ça fin. Voilà, je trouve qu'il y a une belle finesse là-dedans. On passe à Fenro qui va permettre de jouer le Gauntlet Fighter chez les rebelles. Le Gauntlet Fighter qui est une figurine qu'on peut récupérer quand on achète le SD, le Star Destroyer de Throne. La figurine était dedans au moment où moi je l'ai acheté, j'espère qu'elle y est toujours. Au niveau du profil, on va se déplacer à 4, au niveau du châssis, hein, 4, on a 7 de coque. Au niveau de l'attaque, pour les autres chasseurs, les escadrons, on va avoir 2 dés bleus et 1 dé rouge, et puis contre les vaisseaux, on va avoir 1 dé bleu et 1 dé noir. On coûte 24 points. Mais au niveau quand vous êtes choisi pour être activé par un ordre d'escadron après avoir résolu votre activation, vous pouvez choisir jusqu'à 2 escadrons non uniques, c'est-à-dire des escadrons qui ne sont pas nommés, qui n'ont pas un petit point devant leur nom, à distance 1, et les escadrons peuvent être activés comme s'ils avaient reçu un ordre d'escadron. Je vous rappelle, quand on est activé par un ordre, on peut faire plus de choses, hein. On peut bouger et puis attaquer, donc ça c'est vraiment vraiment très très intéressant. Elle va avoir l'assaut sur cette carte, hein, qui va vous permettre, quand vous attaquez un vaisseau, vous pouvez dépenser un dé avec une icône touche, en fait, et si vous le faites, le défenseur va gagner un jeton de raid de votre choix. Donc ça c'est assez sympa, c'est plutôt fluff au vu du vaisseau, et puis on a l'escorte. Les escadrons avec lesquels vous êtes engagés ne peuvent pas attaquer les escadrons qui n'ont pas escorte, à moins d'effectuer une contre-attaque. Au niveau du petit token qui est proposé, le token de défense, on a un token de dispersion, hein, qui va, en fait, au moment où on va résoudre les dégâts, on va réduire de moitié à l'arrondi supérieur les résultats des dés. Voilà, un petit profil plutôt sympa qui va permettre de jouer le Gauntlet dans la République. Je trouve ça propre. On a Vult Skerris qui sera un TIE Interceptor avec donc une vitesse de 5, une coque de 3. Là, au niveau des escadrons, il va lancer 2 bleus, 2 noirs, et puis contre les vaisseaux, il va lancer 1 des bleus. Alors attention, cette carte-là, par contre, elle a été ratée depuis la dernière fois, donc elle est en 2.1, c'est juste les tokens qui sont en bas qui ont changé. On a perdu une évasion, on a gagné une dispersion à la place. Je ne dis pas ce que c'est que la dispersion, on divise par 2 les résultats. On a un skater qui est resté, hein. Le skater, on va défendre, on va annuler toutes les attaques en consommant ce jeton, hein, cette petit bouclier. Donc ça c'est quand même assez badass sur un intercepteur taille, hein, je trouve. C'est vraiment propre. Au niveau du texte, on a pendant la phase d'escadron, vous ne pouvez pas résoudre d'attaque qui n'est pas une contre-attaque. Donc en fait, à quoi ça sert d'avoir son pool comme ça ou d'attaque? C'est parce que si vous êtes par contre activé par un ordre d'escadron, vous allez pouvoir utiliser votre pool d'attaque contre les escadrons. Mais si vous ne faites que jouer pendant la phase d'escadron, là vous ne pouvez faire que des contres. Alors on peut dire que c'est un peu vache, mais vu la gueule des contres qu'il peut faire, c'est quand même assez sympa, puisqu'il a contre 4. Et après qu'un escadron effectue une attaque non contre vous, vous pouvez attaquer cet escadron
avec un armement de 4 dés bleus, même si vous êtes détruit. Voilà. Alors, il y a la notion une attaque qui n'est pas un contre. C'est pour pas qu'on rentre dans une boucle comme ça, hein. Je rappelle que le contre ne peut se faire que contre une attaque primaire. Et il n'est pas question de faire un contre contre un contre, un contre de contre, un contre de contre, puis on s'en sort plus. Donc on ne peut faire de contre que contre les attaques primaires. Ne pas oublier la notion, même si vous êtes détruit, c'est-à-dire que si vous avez été attaqué et détruit, vous avez quand même le droit, avant d'être retiré de votre table, à votre contre. Donc c'est vraiment badass. Et ça, c'est clairement le genre de choses qui vont faire que Völtzkeris, il sera pas pris pour cible quand il sera dans la phase d'escadron, parce que ce sera vraiment trop chiant de se le prendre dans la gueule avec du dé bleu. Il aura la possibilité de, même avec ses comptes, de faire sauter pas mal de pions de défense. Et si ensuite vous êtes attaqué, vous aurez plus vos pions de défense actifs et ça va être vraiment pénible pour vous. Vous risquez de vous faire flinguer des cartes titres assez facilement. Et puis il a le swarm qui lorsque vous attaquez en fait un escadron engagé avec un autre escadron, vous pouvez relancer un dé. Donc c'est une notion qui est présente sur les cartes depuis très longtemps. Allez, on passe au BTLB Y-Wing Squadron. Donc c'est les Y de première génération qu'on retrouvait dans les boîtes de la V2 d'Armada, hein, c'est-à-dire la partie République. Donc des très très beaux vaisseaux, hein, qui sont plutôt sympas. Là on est sur un profil titre Matchstick. Alors je sais pas qui c'est Matchstick, ça doit être un personnage, il faudra que je cherche, ou alors une escadrille, je ne sais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis preneur. On se déplace à 3, c'est normal, on est sur du Y, par contre on a 6 en coque, donc c'est quand même un peu plus lourd. Au niveau des escadrons, on tire un dé bleu, un dé noir, et puis contre les vaisseaux, on balance un dé noir, ce qui peut être pas mal. Quand un vaisseau allié résout un ordre d'escadron, si vous êtes à distance pour être activé, jusqu'à 3 escadrons avec bombardier peuvent être activés à distance, 1-3 de vous. Ça permet d'avancer vraiment de concert et de faire vraiment avancer une bonne masse de vaisseaux à bombardier à l'attaque d'un beaucoup d'escadrons bombardiers à l'attaque d'un vaisseau. Donc ça c'est sympa, n'oublions pas qu'on a la notion bombardier qui est attachée à cette carte là, et il faut essayer de faire avancer des vaisseaux qui ont cette notion là, et que ces vaisseaux là, tant que vous attaquez des vaisseaux, chaque touche critique en fait va ajouter un dégât, ce qui normalement n'est pas le cas, hein, les escadrons quand ils attaquent un vaisseau, les critiques ne comptent pas, là en fait les critiques vont compter comme des touches, et en l'occurrence on va pouvoir en résoudre un, donc c'est vraiment vraiment sévère. Alors attention, il y a Heavy, sur la carte, hein, c'est-à-dire la notion de lourd, vous n'empêchez pas les escadrons engagés d'attaquer les navires, enfin d'attaquer les vaisseaux ou de se déplacer, puisque normalement en fait quand on est des escadrons et qu'on close, on empêche les vaisseaux d'aller se balader, d'aller faire ce qu'ils ont à faire. C'est la notion même d'engagement. Là, étant donné que vous êtes un peu lourdeau, on vous fuit plus facilement. On est sur un vaisseau qui a deux dispersions en token. C'est assez gourmand et ça peut se gérer sur toute une partie. C'est vraiment pas mal. On passe à la suite avec Watabor. Moi je n'imaginais pas partir au combat, syndicat des banques, mais pourquoi pas. Je sais pas si c'est syndicat de la banque, mais le clan bancaire, ils sont plus maigrichants. Lui c'est l'espèce de robot là, vous savez, avec le bitonio là qui tournait pour qu'on essaye de le comprendre. Lui, attention, donc il est sur un Belboubab 22, donc c'est le même vaisseau que Grievous. 4 en mouvement, 5 en coque, on va avoir 2 dés bleus et 2 dés noirs contre les escadrons, avec un dé noir contre les vaisseaux. Il a été raté, il est passé de 20 points à 18, donc il est moins cher, bon, tant mieux. On a escorte, relais et puis screen. Donc le screen, lorsque vous défendez pour chaque escadron allié avec lequel l'attaquant est engagé et qui n'a pas screen, et ce jusqu'à 3, vous gagnez dodge 1, donc ça c'est plutôt efficace.
On va avoir l'escorte, les escadrons avec lesquels vous êtes engagés ne peuvent pas attaquer les escadrons qui n'ont pas escorte, à moins d'effectuer une contre-attaque. Donc ça c'est pratique pour être la cible en fait des tirs et de pouvoir escorter comme ça des bombardiers jusqu'à une cible finale. Attention à pas vous déplacer trop vite, mais normalement là en se déplaçant à 4 c'est pas mal. Et puis il a un relais. Qui est très très propre justement puisqu'on parle du déplacement. Lorsqu'un vaisseau allié résout un ordre d'escadron, si vous êtes à portée d'être activé, jusqu'à un escadron qui l'active peut se trouver à une distance 1-3 de vous. C'est-à-dire que vous allez relayer l'ordre en fait de l'escadron. Ça c'est pas mal, l'ordre d'activation, et ça c'est pas mal justement, ça permet en fait d'avancer comme ça de concert et d'aller chercher une cible potentielle. Dark Vador. Bon, là on passe sur des sujets qui sont assez exaltants. La carte de Dark Vador, 25 points, il est sur un TIE Defender. Donc vous savez, le vaisseau avec 3 panneaux, vitesse 5, coque 6, au niveau de l'escadron, il va lancer un des rouges, 2 des noirs, 1 des bleus, et puis au niveau des vaisseaux, il va lancer quand même 2 des rouges, quand même pas rien. J'aime beaucoup la carte de Vador, c'est une carte simple à comprendre, efficace, et puis bien bourrine, comme il se doit, hein, puisque lors d'une attaque contre un escadron unique, donc c'est l'escadron titre, chacune de vos icônes critiques ajoute un dégât au total de dégâts. Donc là aussi, il faut savoir que quand on attaque un escadron, les critiques ne comptent pas. Normalement, et ben avec lui ça compte, et c'est lorsqu'il utilise en fait lorsqu'il attaque des vaisseaux, des escadrons type unique, c'est-à-dire ceux avec un petit point devant. Donc la plupart du temps c'est des pilotes nommés à l'intérieur. Bon voilà, ben c'est pareil, c'est cohérent, c'est Dark Vador qui part à la recherche de Luke Skywalker, ou qui veut absolument tuer le Faucon Millennium de Han Solo. On sait qu'il est plutôt hargneux dans ces moments-là, donc ben, il est beaucoup plus efficace pour ce genre de profil. Voilà, ça colle avec une certaine réalité, on va dire que ça colle avec le fluff. Il va avoir un adepte 2 lors d'une attaque, on va pouvoir relancer 2 dés. Donc ça fait déjà beau, ça fait beaucoup, parce que si en plus vos critiques passent, il a quand même 2 dés noirs dans son pool d'escadron, ça fait pas mal. Et puis pour les 2 dés rouges, c'est sympa aussi. Il a bombardier, c'est-à-dire qu'avec avec son bombardier, tant qu'il attaque un vaisseau, ben les critiques vont ajouter des touches et on va pouvoir en résoudre un, ça je l'ai déjà dit. Et puis il a Rogue qui va également lui permettre de se déplacer et d'attaquer pendant la phase d'escadron, ce qui normalement n'est pas le cas, puisque pendant une phase d'escadron, soit vous bougez, soit vous attaquez, vous ne pouvez pas faire les deux. Et ben lui, avec Rogue, il va vraiment pouvoir faire les deux. Donc une carte très 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 gourmande, avec en pion de la dispersion et puis de l'évasion. Je rappelle que l'évasion à longue portée, le défenseur annule un dé d'attaque, et puis qu'à moyenne et courte portée, il impose la relance. Alors, ça aussi, ça a été modifié depuis les règles d'origine, puisque avant, je crois qu'à courte portée, il se passait rien dans mon souvenir, et maintenant il se passe quelque chose, ça induit nécessairement une relance. Donc voilà, un profil plutôt gourmand que je trouve très sympa. Hera Syndulla, donc sur du X-Wing, ça c'est pareil, c'est assez sympa de l'avoir piloté des vaisseaux comme ça. On est sur du 3 en vitesse, du 5 en coque, un des rouges, 2 des bleus et un des noirs contre les escadrons, et puis un des noirs contre les vaisseaux. Donc là, tant qu'un escadron allié qui a escorte est à une distance 1-2 de vous, il va gagner adepte 1. Donc ça va lui permettre de balancer de la relance. Elle va avoir le dodge également lorsque vous défendez contre un escadron lors de l'étape des jetons de défense. Vous pouvez choisir de faire relancer un dé en fait. Donc ça c'est agaçant pour celui qui est en face. Et puis ben la bombardier, ça c'est normal parce que les chasseurs X ils ont tous bombardier. Donc voilà, ça colle. Elle va avoir 2 évasions, elle coûte 23.
avec un Vador qui coûte 25 et une Erasindula qui coûte 23, elle est un petit peu sage, je trouve, quand même. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle offre, l'adepte à tout ce qui a 1-2 de elle. Quand au niveau des escadrons, il y a de la bataille, c'est vrai qu'on est quand même pas mal regroupé, et c'est une distance qui va offrir de la relance à beaucoup de monde sur la table, donc c'est plutôt classe. Luke Skywalker, donc sur le Delta 7, hein, bien entendu, on se déplace à 4, on a 4 en coque, attention c'est fragile, 2 dés bleus, 2 dés noirs contre les escadrons, et puis 1 dés noir contre les vaisseaux, c'est bien que le vaisseau, c'est pas un truc qui est fait pour ça. On va coûter 24, c'est pas une carte qui a été ratée depuis la dernière fois, lorsque vous attaquez un escadron pendant votre activation, à la fin de l'étape de résolution des dégâts, vous pouvez choisir jusqu'à 2 escadrons ennemis à distance, un du défenseur. Si le défenseur a été endommagé, ben les escadrons choisis subissent un dégât, voilà, forcément c'est une carte qui est létale. Ou si vous touchez un adversaire, vous touchez les potes qui sont à côté, c'est un peu dégueulasse, faut quand même avouer. Alors c'est qu'un seul dégât, mais bon, un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là, ça souffre ça fait vite du mal, quoi. On va avoir un adepte 2, hein, qui va permettre de relancer des dés d'attaque, donc là aussi on est sur quelque chose d'assez contraignant. On a un contre 2 qui va permettre de répondre en contre-attaque, et puis on a un dodge qui va imposer de relancer comme ça au niveau de la défense. Et puis au niveau des pions, bah on a le pion qui permet d'annuler toutes les attaques, et puis on a un pion de dispersion qui va permettre de les diviser par deux. Un profil qui est très 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 gourmand là. Hein. Là on est vraiment sur du lourd. On est sur un futur Dark Vador. Du coup on est à 24 au lieu de 25. Et puis ben on est sur un vaisseau qui est plutôt agile, donc c'est vrai que le profil colle. Et puis quand on passe à Vador, on passe sur un profil un peu plus lourd, parce qu'on est sur un taille qui est beaucoup plus létal. Ça fait miroir ces deux cartes là. Et je trouve ça bien. Ça fait miroir tout en étant hyper cohérent, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez la même personne et puis que vous lui mettez un vaisseau agile, vous avez ce style de profil qui est très virevoltant et puis qui va toucher plein de gens un tout petit peu. Et puis si vous le mettez sur un vaisseau vraiment badass, bah là ça va taper du lourd. Il y a de l'intelligence dans la façon dont AMG a tendance à écrire ses cartes pour Star Wars Armada. J'en termine cette présentation en vous parlant des quatre vaisseaux qui ont été portés d'une faction à une autre. Donc ça aussi c'est quelque chose que AMG propose régulièrement. Ça vous permet, comme ça, en l'absence de sortie physique, c'est-à-dire de sortie de nouveaux vaisseaux, d'utiliser vos vaisseaux pour aller les jouer dans une autre faction et potentiellement d'aller la découvrir si vous ne l'avez pas encore. Donc on aura la possibilité de jouer les Venator 2, qui sont des superbes vaisseaux, hein, franchement ils sont très très beaux, qui sont normalement républicains et qui donc naturellement passent à l'Empire. On va avoir l'excellente opportunité de jouer des Providences chez les rebelles. Là aussi ça fait très fluff, vous voyez un ancien vaisseau de la CSI qui aurait été récupéré lors d'une mission mystérieuse, vous pouvez vous inventer plein d'histoires, et puis il a été refloqué pour la République. J'adore, je trouve ça super top. En plus, très sincèrement, pour l'avoir joué, le Providence, c'est un super vaisseau, donc n'hésitez pas à le tester. Le Victory, qui est un vaisseau de base, hein, un vaisseau classique, un vaisseau un peu fourre-tout, un peu passe-partout, et qui va comme ça venir être jouable dans la République. Sans plus, parce qu'on avait déjà ce qu'il fallait de ce côté-là, mais voilà, ça offre de la diversité. Et puis, pas totalement déconnant, un Ghost Anticlass qui va être jouable à la CSI. La CSI qui, elle, a beaucoup de gros ships, hein, de gros vaisseaux, donc la possibilité comme ça d'aller rajouter deux Ghost Anti, hein, parce qu'ils sont deux sur la plaquette, mais ne comptent que pour un seul vaisseau, je trouve que c'est très sympa, surtout qu'ils ont des capacités de relais d'ordre qui peuvent vraiment vraiment matcher avec le système de jeu de la CSI. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation du Rapid Reinforcement de AMG. C'était la deuxième fiche.
J'essaierai de vous présenter la première, si je la retrouve, parce qu'elle est plus disponible sur le site d'AMG, donc il faut que je me rapproche un peu de la communauté pour la retrouver, ou que je fouille un peu mes ordinateurs, parce que j'ai dû la sauvegarder quelque part. On fait le point sur Armada par l'intermédiaire de cette première vidéo. J'espère que vous continuez à y jouer encore, parce que c'est tout simplement le meilleur jeu de figurines pour l'univers de Star Wars, de mon point de vue. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, ben parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le titre d'en face. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et puis à vous abonner si vous me découvrez ou me redécouvrez sur cette vidéo. À très bientôt. Ciao.